Coucou les filles. Donc, je suis un peu essoufflée, hein. Je reviens d'avoir été donc, au petit magasin de la Croix-Rouge dans mon quartier. Ils ont reçu plein, plein, plein de tissus. Ils vendent tout à 1 euro. Donc, 1 euro la coupe, quoi. Donc, tout dépend le morceau. J'ai vu, il y a du bourcôte, j'ai vu du bleu marine, je sais pas dire combien de mètres il y a, 1 euro. J'en ai vu un autre, ça a l'air d'être un bourcôte, vert comme ça, menthe, mais c'est une plus large chlaise que le bourcôte traditionnel. Donc voilà, pareil, 1 euro le morceau. J'ai vu un tissu genre comme une laine bouillie comme ça. À peu près le même genre, 1 euro. Je sais même pas combien de mètres il y a. Franchement, en fait, je crois que j'ai réservé 20 morceaux en tout de tissu. Donc j'essayerai de vous faire un. Ouais, c'est pas un haul parce que je les ai pas. Je sais pas comment je vais interpréter ça sur une vidéo. Mais en tout cas, je vais vous les montrer en vidéo. Mais là, franchement, bon, bien sûr, il faut tout relaver et tout ça, mais bon, au fur et à mesure. Et franchement, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Là, je vais aller chercher donc des sous parce que j'en avais pas sur moi. Et je vais aller les rechercher. Donc, soit aujourd'hui, j'ai jusque 3h30. Donc, ça risque d'être un peu juste. Ouais, peut-être un peu juste. Et si pas, jeudi. Donc, ça va. C'est pas très loin de chez moi. Bon, maintenant, c'est porter tout ça. Mais c'est pas grave. Franchement, ça vaut tellement la peine que je m'en fais même pas, quoi. Et puis, au moins, je pourrais faire plein, 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 plein de choses dedans. Donc, voilà. À tout à l'heure. Re-coucou. Eh ben, en fait, j'ai pas su attendre jusque jeudi. J'ai été chercher les tissus que j'avais réservés. Je vous montre. Je montre de loin. Donc, il y en a. Il y en a quand même. Hein. Mais je vais faire de toute façon une petite vidéo. Surtout tout ce que j'ai trouvé. Et franchement, en tout, j'ai 48 mètres 50 de tissu que j'ai payé 20 euros. Il y en a certains, en fait, je crois que si j'aurais fait une commande, que ce soit chez Drissen ou autre, moi, je me suis vraiment plus reporté sur les tissus de chez Drissen parce que c'est les prix qui me viennent plus vite en tête ou le commerce que j'ai dans ma ville. Alors déjà la différence du commerce de ma ville à chez Drissen, c'est déjà énorme. Mais alors là, je crois que si j'aurais fait une commande chez Drissen en sachant que j'ai 20 coupons de tissus, j'en aurais eu pour minimum 200 euros. Minimum. Là, j'ai tout payé 20 euros. J'aurais été dans mon tissu, enfin, dans mon magasin, dans ma ville. On montait vite à minimum 300. Parce que c'est quand même vachement plus cher, hein, puisque c'est une boutique, donc ils ont tous les loyers, les charges et tout ça à payer. Mais de toute façon, je vais vous faire une vidéo. Vous allez voir, c'est hallucinant. Même moi, je n'en reviens pas. La qualité, certains, du tissu, franchement, au top. Le métrage que j'ai eu pour certains, énorme. Et pour le prix, il n'y a rien à redire en fait. Donc voilà. Donc on va se mettre au tournage de la vidéo. Pas le choix. Voilà. Tout à l'heure. Donc voilà les filles. J'ai tourné ma vidéo. Je vais. Je sais pas si je vais faire le montage aujourd'hui ou demain. C'est certain qu'il y a des tissus que je vais avoir besoin parce que je sais déjà ce que je vais faire avec. Donc à mon avis, ceux-là vont vite partir en machine. Et voilà. Maintenant, ça va être surtout pour l'étendre. Parce que le fameux bord-côte, vu le métrage, pour l'étendre, on va rire, mais c'est pas grave, on va trouver de la place. Mais voilà. Et puis, je vais faire mon décalquage de patron aussi. Comme ça, je pourrais coudre, 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 coudre. Ce sera vachement plus simple parce que j'ai encore du travail qui m'attend. Donc, et puis là, je peux plus acheter de tissu. Mais on va essayer de remédier à ça. Hein.
parce que monsieur avait des pulls et tout que j'avais vu dans la maison Victor, mais j'ai pas le tissu qui va avec. Donc, quoique si je fais assez bien de choses, peut-être qu'il me laissera recommander du tissu. Donc, bah, j'espère. Parce qu'il y en aura pour lui aussi, donc il n'y en aura pas que pour moi, pour une fois. Et puis, il faut que j'aille voir aussi pour le livre, pour le jean. Bon, là, j'ai pas de jean, mais j'ai regardé un petit peu sur Drissen. Donc, voilà. Il va falloir que je me motive maintenant à tout faire. Bon, ça va. C'est même plus de la motivation, puisque ça devient une passion. Donc, enfin, c'est une passion. Ça ne devient pas, ça l'est. Mais ouais. Là, franchement, je suis contente de mes trouvailles. Surtout à ce prix-là. Ça vaut la peine. Donc, il faut pas hésiter, les filles, à aller voir la petite vidéo que je vous vais poster sur les petites trouvailles. Hein, parce que là, quand on va voir le nombre de métrages de tissus pour le prix, pouf, c'est énorme. Donc, peut-être que je vous reprends tantôt ou c'est pas demain. On verra bien. Coucou les filles. Donc voilà, aujourd'hui, donc on est mardi. Oui, mardi, je ne sais plus combien. Je vous mettrai pour les dates. Donc, je ne vous ai pas encore pris depuis ce matin. En fait, aujourd'hui, bah, c'est journée montage de la petite vidéo donc, que j'ai fait hier. Comme ça, je pourrais la mettre sur YouTube. Et ensuite, soit je décalque déjà les patrons par rapport à ce que j'ai envie de faire avec tous les tissus que j'ai reçus hier, ou je commence déjà à coudre ce que j'avais déjà prévu. Donc, je vais voir un petit peu. Mais de toute façon, je vous mettrai quelques images au fur et à mesure de la journée, à mon avis. Ouais. Et à mon avis, bah, demain, ce sera rebelote sur les patrons ou la couture, je sais pas encore. Faut que je m'active. J'ai aussi donc commencé mon crochet depuis ce week-end. Donc pour moi, je vous ai pas encore montré. Ben, j'ai pas encore fait grand-chose, hein. J'ai juste fait ici le début, donc le col, épaule, et alors. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis bah maintenant je vais attaquer l'ouverture pour les manches. Donc voilà, simplement. Voilà. Peut-être à tout à l'heure. On verra bien. Voilà, je vous ai pas pris hier de la journée en fait. Donc aujourd'hui on est jeudi. Donc hier j'ai fait les t-shirts pour monsieur. Voilà. Donc enfin les t-shirts. Alors j'ai fait des. Ah oui, t-shirts mais longues manches dans les fameux tissus que j'avais fait de mes trouvailles. Donc, pour une fois, je n'avais pas lavé le tissu avant, mais je l'ai lavé directement après. Donc, voilà. Déjà, donc, j'étais partie sur sa taille. Quand il a essayé, ça lui serrait trop ici. Donc, voilà, enfin bref. Donc, puis, longueur des manches, c'était vachement court, hein, malgré que j'avais fait le manche longue. Donc, enfin, j'ai essayé de prendre donc le briac, hein, du coup de le stretch.
Maintenant, je ne sais pas si c'est adapté aussi pour les hommes, mais enfin, du moins dans sa taille, ça n'allait pas. Est-ce que c'est parce que lui, il aime bien les porter plus larges? Je ne sais pas. Enfin, c'est vrai que de toute façon, si même je faisais en manche courte, pour homme, c'est pas beau, parce que c'est quand même collant, donc c'est plus pour une femme. Maintenant, je lui fais en version manche longue. Voilà, j'ai juste monté dans les tailles, simplement. J'ai regardé un petit peu par rapport à un t-shirt que j'avais à lui. C'était plus simple. Et pour finir, ben, il est fait. Donc, je vous montrerai ça dans le podcast, tout ce que j'ai dû faire pour adapter aussi le patron. Mais franchement, il est content, ça lui va bien. Donc voilà. Ça c'était hier. Ouais. Décalquer, recalquer. Quand vous faites un projet et puis que ça va pas, oh, quelle horreur. Mais bon. Voilà, c'est pas grave, vu le prix du tissu. À la base, je devais avoir deux t-shirts pour finir, j'en ai plus qu'un. Mais 1 euro. Voilà quoi. Je veux dire, là, j'ai défié toute concurrence. Hein. Donc, j'en ai profité hier que je devais laver ça pour laver ben, des tissus. Parce que j'aime bien vraiment laver le tissu avant de coudre. J'ai bien vu là sur le t-shirt longue manche. J'avais l'impression que ça piquait un peu et tout. Une fois en fait que je l'ai eu à laver, franchement, non, ça va, il est tout doux quoi. Ouf! Parce que si ça aurait commencé à gratter, il ne l'aurait pas mis. Mais c'est pour ça que j'aime bien de laver mes tissus. Et j'en ai profité ben, pour laver des tissus donc, que j'avais fait dans mes trouvailles. Et en fait, j'ai lavé des tissus qui vont me servir pour faire des chemises ou rallonger en tunique. Enfin, je sais pas encore. Là, je vais sûrement partir sur la robe chemise évasion des Bobbin Patterns. Je vais imprimer le PDF et le scotcher, tout ça, le petit peintre. Refaire mon patron parce que elle est droite. J'aimerais bien qu'elle soit un peu plus attrayée. Donc, à mon avis, je vais faire une toile pour être sûre parce que les deux tissus que j'ai envie d'utiliser. Oh! J'ai pas envie en fait de les utiliser pour rien et de faire une toile dedans, même si c'est 1 € le mètre. Dans les commentaires que j'ai eu par rapport à la vidéo que j'ai fait, j'avais un tissu bleu marine avec des dessins, un peu comme on voit maintenant, paisley, je sais pas quoi, avec des petits dessins rouges, avec une aise en fait de 88. Et je me suis posé la question de savoir si c'était normal ou pas. Et on m'a répondu dans les commentaires, donc que soit c'est des tissus qui ont 40 ans, ça se faisait beaucoup à cette époque-là, des laisses de 90 cm, et ou alors on m'a dit que c'était sûrement de la popeline de soie. Alors là, j'ai pas compris, ou de la popeline avec de la soie, j'ai pas compris. Mais c'est vrai que même lavé, il reste. Oh! C'est top qualité quoi. Franchement, ça ressemble beaucoup, franchement, au tissu pour chemise qu'on utilise plus dans les magasins de. Enfin, les magasins. Donc chez les tailleurs, ceux qui font les costumes pour hommes. C'est vraiment la même qualité. Franchement, j'ai déjà vu à des mariages et tout ça, cette qualité de chemise. Et je me demande en fait ouais si c'est pas je sais pas une popeline je sais pas quoi dedans mais franchement top qualité donc franchement j'ai pas envie que ça me serve de toile plus un je sais pas si c'est un chambray ou un tencel mais top qualité aussi donc j'ai pas spécialement envie que ça me serve de toile donc je vais regarder dans mon stock pour un tissu pour faire une toile avant d'utiliser vraiment cela. Voilà, parce que si je dois retravailler le patron et tout, pas le choix. Donc à mon avis, je vais faire ça aujourd'hui parce que j'avais rien d'autre
Non, rien d'autre. Et alors, j'ai vu aussi la robe L dans le dernier La Maison Victor. Donc, c'est celui de janvier-février 2021. Cette robe est magnifique avec ses plis et tout. Ouais, je vais vous montrer. Je sais pas si on verra bien. C'est celle-là. Donc le schéma technique. Celui-là. Elle a l'air vraiment magnifique. Et c'est vrai qu'avec. J'hésite à la raccourcir en fait en tunique. Parce que moi, des robes longues comme ça. Arrivé à la cheville, j'aime pas. J'hésitais en fait entre celle-là et la robe évasion des bobines. Donc je ne sais pas. Parce que celle-là et tous ses plis, tout ça, ça donne vraiment super joli. Donc je sais pas. Je vais. Ou alors, je fais la robe des bobines en tunique. Et je fais la robe L en version chemise. Ça peut être très joli aussi. Mais je ne sais pas. Je vais bien voir, je vais aller un petit peu voir sur les groupes Facebook des bobines et de la Maison Victor. Voir un petit peu ce qu'ils ont fait par rapport au patron. Parce que c'est vrai que c'est les deux qui me tentent. La robe chemise évasion, des bobines, ça fait déjà un petit moment que je l'ai, que je ne l'ai pas encore fait et qu'elle me fait de l'œil déjà depuis un petit temps. Mais ouais, étant donné que j'ai une taille qui est fort marquée, il faut que absolument que je vienne creuser vers la taille parce qu'elle est plutôt droite. Et j'ai pas envie de quelque chose qui va tomber trop droit. J'ai envie vraiment que je puisse mettre avec et sans ceinture. Donc j'avais déjà fait des trucs comme ça qui tombaient droit. Et si je mets pas de ceinture, en fait, ça fait pas beau. Et là, il faut vraiment que je trouve pour venir un petit peu cintrer la taille. Donc je vais voir. Et à mon avis, je vais faire des toiles. On va aller voir le stock et on verra bien. Pas le choix. Donc je vous reprendrai peut-être tout à l'heure, on sait jamais si je refilme ou quoi tantôt. Parce qu'en fait à chaque fois j'oublie de brancher mon téléphone et tout. Parce que quand je fais ça, ben j'ai mes écouteurs dans mes oreilles. Et en fait je suis complètement déconnectée du monde. Puisque je suis en train de regarder des séries et tout. Et je me mets vraiment dans ma bulle pendant que je fais ça. Donc voilà. Il ne faut pas que j'oublie de brancher le téléphone parce que sinon le vlog, il n'y aura pas grand-chose dessus. Mais bon. Voilà. Donc sur ça, peut-être à tout à l'heure.
beaucoup les filles. Donc aujourd'hui on est vendredi. Hier en fait je vous ai pas pris beaucoup, un petit peu, mais vraiment limite. J'ai eu des couacs l'après-midi. Donc déjà, sur mon patron, des bobines. Je voulais, donc je vous ai dit, rétrécir. Je voulais cintrer un peu plus ma robe évasion, donc la robe chemise. Sauf que ben, sur le patron, il n'y avait pas les lignes, ni poitrine, ni taille, ni rien. Donc ça m'a plutôt embêté. J'ai essayé avec des mesures et tout, mais ça n'allait pas. Donc ça m'a un petit peu saoulé, simplement. Donc sur ça, j'ai décidé de faire dans ma taille. Je vais voir comment ça tombe. Et comme je vais faire une toile, à mon avis, je reprendrai sur la toile pour la cintrer un peu plus. Mais au vu de ce que j'ai vu sur l'une des photos, étant donné qu'il y a des pinces dans le dos et sur le devant, je me demande si elle va pas un peu quand même rétrécir. Je veux bien voir en faisant la toile. Et puis, après, ben, j'ai dû aller nettoyer à fond ma chambre en bougeant tous les meubles. Parce que j'ai remarqué des grosses traces d'humidité derrière tout le pan de mur où se trouve mon lit. Ah, vous vous en foutez, hein, voilà. Donc ça m'a vachement saoulé, enlever tout enlever, commencer à nettoyer le mur et tout avec un masque et tout pour est-ce que c'est un produit en plus hyper toxique. Tout aérer, tout. Super. Bon, ben ça va, les ouvriers viennent voir mardi. Mais franchement, oui, ça m'a saoulé. Donc, voilà. Ça m'a quand même un peu beaucoup saoulé. Et puis, ouais, non, après, ça a été le souper et tout. Alors là aussi, j'ai ma cuisinière qui déconne. Ça me saoule. Faut cuire, hier j'ai fait simplement un rôti, il m'a fallu une heure et demie pour cuire mon rôti, parce que mon four déconne, ça m'énerve, je sais plus quoi faire, franchement, depuis que je suis dans cet appartement, ben, en fait j'ai que des misères, la cuisinière fonctionnait super bien, maintenant, ben non, elle déconne. Les traces d'humidité, ça m'énerve bah, parce que l'année passée, j'en ai eu et franchement, j'ai dû jeter des tissus, carrément, parce qu'en fait, je mettais mon stock de tissus en dessous de mon dressing et j'ai des tissus qui avaient été attaqués avec l'humidité, plus des vêtements. Donc cette année, j'avais décidé de mettre mes stocks de tissus dans mon couloir, bien rangés dans des caisses. Comme ça, bah, j'avais plus facilement accès, c'était plus près. Maintenant, ça s'est quand même attaqué, heureusement, je vais dire, pas encore complètement, parce que c'est tout le côté, j'ai un côté mon lit, l'autre côté de ce mur-là, c'est tout mon dressing, et franchement, j'ai de la chance, ça n'avait encore rien attaqué, parce que tout est rangé dans des caisses, dans des plastiques et tout, pour bien être rangé, donc j'ai de la chance que ça n'a pas attaqué parce que là j'ai mis maintenant en dessous dans mon dressing tout le coin que j'ai besoin toutes les semaines en fait pour les sans-abri. Donc j'ai eu de la chance parce que j'ai pas envie que les dons qu'on reçoit que simplement se soient attaqués avec l'humidité. Voilà, simplement. Donc il a fallu tout enlever. Mais les chambres n'étant pas très grandes, c'était un vrai bazar total. Partout dans la pièce. Le bruit derrière, c'est pas grave, c'est le chien. Ouais, non, franchement, là, ça m'a saoulé hier la journée, parce que après, le moindre petit truc qui traînait, j'ai fait ma maniaque, en fait, simplement. Et oui, ça m'a saoulé. Horrible. Oh, j'ai des phases comme ça, maniaque, et franchement, ça me saoule. J'étais hyper maniaque avant, je le suis plus. Et quand j'ai une phase comme ça où je pète les plombs pour tout pour rien parce qu'il y a des choses qui traînent, ça m'énerve. Donc, sur ça,
aujourd'hui, je vais découper donc le patron que j'ai décalqué, tout est prêt. Je vais découper ça, découper mon tissu pour faire ma toile. Je vais vous montrer. Donc, comme ça va être un tissu coton, j'ai regardé. J'avais encore celui-ci en coton. Il est quand même assez fluide. Mais ça devrait le faire parce que j'ai les autres qui sont quand même moins fluides, mais ils sont fluides aussi. J'ai pris celui-là, dont je me dis que si la toile est portable, avec ce tissu-là, ça passe aussi pour faire une petite robe chemise, tout simplement. Je me dis que c'est pas mal aussi. Ça fait déjà un petit moment que j'ai ce tissu, franchement, je ne sais pas quoi en faire. Ben, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais essayer de vous prendre plusieurs fois sur la journée quand même pour vous montrer au fur et à mesure. Et voilà. Simplement, demain c'est le week-end, cette semaine c'est pas moi qui fais à manger pour nos amis de la rue, donc j'aurai déjà un peu plus de temps demain, donc peut-être à mon avis je vais faire de la couture demain, je vais bien voir, et puis oui j'ai vu aussi ce matin sur YouTube, on va vite atteindre les 1000 abonnés, mais j'ai pas encore fini le patron gratuit. Donc il va falloir que je me mette aussi à ça au plus vite. Mais le patron est toujours en phase d'essai. Donc j'ai pas encore écrit non plus tout le cahier technique et tout. Donc c'est chaud, 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 chaud. Ou alors je ferai peut-être le patron gratuit d'autre chose que là. J'avais déjà écrit, enfin, j'avais écrit le cahier technique, oui, au fur et à mesure, en fait, que j'ai fait ce patron-là, j'avais écrit, mais je voulais changer deux, trois petites choses, donc je ne sais pas encore, je vais voir, et puis voilà, ou sinon, ben, il arrivera un peu après les 1000 abonnés, mais voilà, c'est pas évident de tout jongler en même temps, mais bon. Donc sur ça, je vais faire ben, tout ça, et puis je vous reprends sûrement tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Je vous ai pas dit aussi, j'ai eu hier soir, donc je voulais continuer mon crochet. Et en fait, le tuto que j'avais choisi, ben, en fait ça fonctionne pas. Donc ça fait presque une semaine que je fais celui-là. Et ben, j'ai dû tout défaire parce qu'en fait ben, les dimensions sont pas bonnes du tout. Impossible de le mettre aux bonnes dimensions. Moi, je suis pas une pro du crochet, donc voilà. En fait, de base, il fallait faire commencer un rond, et alors on descend au fur et à mesure, donc ici, comme ça, en rond. Donc, on nous précise dans le tuto comme quoi on doit arriver donc ici au niveau de l'épaule, et ensuite, on doit venir fermer au niveau de l'emmanchure. Alors, moi, j'ai essayé de fermer... Oh, je ne sais pas vous mettre sur le pied maintenant. Alors, j'ai essayé de fermer au niveau de l'emmanchure. En fait, j'avais un ici, je ne savais pas le rejoindre au niveau du côté. Impossible. J'ai réessayé, j'ai refait des mailles et tout. J'ai encore essayé, essayé, essayé. Pas moyen. Donc, en fait, j'ai tout stoppé hier. J'ai dû tout défaire. Et il va falloir que je parte à la recherche d'un patron pour me faire un pull. Parce qu'en plus, je suis un peu difficile. Je voulais un pull bien spécifique. Parce que la couleur est tellement belle que je voulais vraiment un truc qui la mette en valeur. Et j'ai pas du tout défaire, donc ça m'a saoulée. Hier, c'était vraiment la journée catastrophe, quoi. Enfin, catastrophe, non, mais de soulage, on va dire ça comme ça. Ben, je vais repartir à la recherche tout à l'heure d'un tuto pour mon pull. Et on verra bien. Mais pas le choix. C'est horrible. Donc, sur ça, maintenant, je découpe mon patron. Parce que oui, moi, je suis pas du genre à découper mes PDF. Parce que ça me saoule. Je préfère, voilà, décalquer mon PDF. Comme ça, si il y a quoi que ce soit comme problème, je préfère garder le PDF au top. Voilà, simplement. Et puis, si maintenant, je veux le refaire dans d'autres tailles, au moins, le PDF est sorti. Je dois pas tout... ressortir toutes les feuilles, tout scotcher, tout ça.
Et alors, je garde bien mes PDF tout enroulés. Donc, voilà. Quand j'en ai besoin vraiment d'un parce que les tailles changent ou quoi, ben, je l'ai. J'ai plus qu'à reprendre mon papier cuisson et à décalquer tout. C'est plus simple pour moi. Et c'est surtout plus économique pour moi, je trouve, qu'à chaque fois ressortir un PDF complet. Donc, voilà. Donc, je vais redécouper tout ça. Et découper mon tissu et attaquer ma robe chemise. Voilà, à tout à l'heure! Donc voilà, on est aujourd'hui donc samedi. Donc comme je vous disais hier, c'est pas moi qui fais à manger aujourd'hui pour nos amis de la rue. Donc aujourd'hui, donc je vais avoir plus de temps pour moi. Donc hier, je vous ai pas pris pendant que je faisais ma couture parce qu'en fait j'étais carrément dans mon monde, écouteurs dans les oreilles avec une série machin. Donc j'ai pas du tout pensé à brancher la caméra. Donc, ma robe chemise évasion, ben, j'ai quand même un peu avancé. Voilà. J'ai fait les pinces, j'ai cousu les côtés, les poches, machin. Alors, mon tissu, heureusement que c'est une toile, parce que on voit vraiment que j'ai l'habitude de coudre du jersey, parce que tous ces petits fils, enfin non, vous voyez même pas. Non. Mais bon, enfin, il y a plein de petits fils, machin, c'est l'horreur, mais bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, je vais m'attaquer à la fente à déchirable, au bracelet de manche, au col et la pâte de boutonnage. Et les ourlets, je pense. Je crois que c'est ça qui reste à faire. Moi, sur cette version-là, à mon avis, je vais mettre des boutons pression. Vu comment le tissu réagit sous la machine, je ne vais pas essayer de faire des boutonnières, même pas rêve. Les boutons pression, ce seront très bien. Puis c'est une toile. Si maintenant elle est mettable, je mettrai les boutons pression. Si pas, ben, je les mets même pas. Et comme ça, mais ouais, comme ça, ce sera peut-être plus simple après pour faire dans mes deux bons tissus qui eux se tiennent beaucoup mieux. Mais voilà, je vais bien voir ce que ça donnera, voir si je vais devoir faire des rectifications au niveau des côtés pour venir bien cintrer si c'est pas assez avec les pinces, voir à combien je vais devoir la rétrécir pour qu'elle arrive à la bonne taille, parce que quand je me suis mesurée la taille, il me semblait qu'il n'y avait pas tant que ça de différence. Donc je vais bien voir une fois fini, pour la longueur. Je vais y arriver aujourd'hui. Quoi d'autre? Ouais, hier soir, j'ai passé mon temps à regarder après un nouveau tuto pour mon crochet. J'ai trouvé. Ça va pas être facile, je pense. Mais ça va être beau. Mais je crois qu'il va falloir que j'aille rechercher une pelote. Ça, je vais bien voir. J'espère qu'il y en aura encore. Normalement, oui. Mais quand j'ai vu le modèle, oh, magnifique. Maintenant, ça va être long à faire. Mais c'est pas grave. Et si, de toute façon, on est qu'au mois de janvier, hein, je pense pas qu'il va faire chaud tout de suite. Donc voilà, je me dis, et puis moi qui suis quand même un peu frileuse, je me dis pourquoi pas. Et puis même quand ce sera le printemps, je pourrais très bien le mettre. Et quand j'aurai fait ben, mes surchemises, je pourrais mettre juste la surchemise au-dessus, sans veste vraiment. Et puis voilà, je pourrais partir comme ça.
Donc voilà. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si je vais vous prendre de la journée, parce que j'ai quand même d'autres choses à faire aussi. Donc je vais bien voir. Mais on verra bien. De toute façon, vous verrez, hein, de toute façon, si je vous prends ou pas plus tard. Mais voilà. Et aujourd'hui, ce serait bien. Aujourd'hui ou demain, je ne sais pas encore. Si je ne sais pas si on va demain ou début de semaine prochaine dans la famille pour aller rendre visite. Enfin, rendre visite. Aller passer une après-midi tranquille. Mais voilà. Je ne sais pas encore, donc j'espère que ce sera début de semaine prochaine. Comme ça, demain, j'ai le temps de faire ben, tout le ménage et puis de passer au montage de ce vlog. Si pas, ben en fait, je peux commencer peut-être ce soir, non, parce que ben ce soir, c'est distribution des repas. Donc voilà, peut-être demain. En fait, il va falloir que je m'active demain. Pour le faire. Si je veux que vous l'ayez lundi, pour une semaine décalée du moins par rapport à moi, je vais bien voir. Donc voilà. Si pas, ben, je vous dis à tout à l'heure.